Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ça y est, faim? Oh là 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 là, mais ça arrête pas de bouffer les poulets. Hein. Bon, on va vous donner à manger alors. Ah bah oui, c'est ça, hein. Allez, mangez, petit poulet. Voilà, allez, on fait des petits. Bon, c'est pas qu'on a besoin de vos plumes maintenant, hein, ça c'est fini. Mais bon, vos petits cuisseaux, on dit pas non. Ok, allez, voilà, ça c'est fait. Bon, oui, bonjour à tous, bienvenue sur le Jimbo World. Alors, je vais peut-être reposer ça déjà. Hop, parce que je vais pas m'encombrer. J'ai suffisamment de trucs sur moi. Tiens, j'ai gardé le minecart chest. Hop, on va aller le descendre tout de suite. Ouais, j'ai été faire un petit peu d'XP. Et voilà, quoi, c'était sympa. Alors, je vais hop mettre ça. Je vais reposer. Ouais, je vais reposer. Aussi. Oh bah, et où je vais, moi? Oh, hé, hey, oh! Oh là là! Si j'enlevais. C'est pas une capture d'écran que je voulais faire, c'était juste enlever le. Voilà, les indications de lieu. Ok, alors, j'ai dit que j'allais laisser ça là. Que j'allais laisser aussi. Hop, c'était presque ici. Ça, voilà. Alors, j'ai travaillé un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Je vais prendre une arme parce qu'on ne sait jamais. Quand on sort d'ici, il y a toujours des bestioles qui viennent vous embêter. Donc, j'ai travaillé un petit peu autour de la maison. Alors, je vais vous montrer ça. On va courir un petit peu. On fait aussi vite qu'on peut. Voilà, surtout si on se plante. Ok, tiens, j'ai petit lag. Allez, cours. Allez, on va aller du côté de la maison. Donc j'avais dû bouger, j'avais changé un petit peu le toit, tout ça me plaisait pas trop. Bon là ça va, je suis pas trop mécontent de notre gare. Fait des petits bureaux avec un petit coffre au cas où. Voilà une petite table de craft. Voilà, pour le. Bon, j'ai l'éclairage que je voulais changer, je ne l'ai pas fait encore. On verra après. Un peu plus tard. Donc on va aller directement à la maison. Donc je suis pas encore allé hein, chercher ce qu'il me fallait en termes de clay, hein, d'argile. En plus j'ai pas de biome Mesa près de chez moi, donc c'est même très très loin. J'ai regardé avec le logiciel Amist TD. Et franchement, tiens, une porte ouverte, encore une. Décidément. Bon, j'ai tout ça à faire. Hein. J'ai tout, j'ai pas fait l'étage encore, donc il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit jardin, un petit jardinet, avec 2-3 cultures, des petites roses, un arbre ici, comme ça, deux petites banquettes, histoire de s'allonger, profiter un petit peu du coin. On est juste en limite ici. Voilà, de ce petit lac que je vais peut-être arrondir après, faire quelque chose de plus sympathique avec des arbres autour. Donc ça c'est un petit projet. Donc voilà, j'ai mis des feuilles un peu partout, ça fait un peu plus sympa. Bon là il manque une porte, il manquera un escalier, on est d'accord. Et donc j'ai mis une petite cabane. Une petite cabane, zut, j'ai ouvert, ça aurait pas dû. Voilà, une petite cabane, un petit abri de jardin pour y mettre des outils. Et surtout, surtout, voilà, hop, j'ai commencé à creuser un espace dans lequel je vais faire ma salle des coffres. Voilà. Donc je disais, tiens, plutôt que de faire dans la maison, je vous en avais parlé, ben dans la cabane du jardin. La cabane au fond du jardin, c'est un endroit qui est vraiment bien. Eh bien, j'y. Voilà. J'aurai donc en dessous ma salle des coffres. Et je pense que plutôt que de faire un rail qui va de la gare là-bas vers la mine, quoique la gare elle est mieux placée, ouais c'est peut-être mieux d'ailleurs.
Peut-être que je ferai un petit. Je vais faire un souterrain qui va jusqu'à la gare. Quelque part par là, je sais pas où. Je veux faire quelque chose en souterrain et je veux faire quelque chose en aérien. C'est-à-dire qu'ici. Alors je sais pas si je le fais devant. Je le fais là. Je sais pas exactement où je vais faire ça, mais je voudrais faire un petit pont pour relier ça. Donc peut-être que je ferai le pont ici. Peut-être en comme ça. Peut-être en diagonale comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être étudier comment je vais le faire. Et puis, bah, on va peut-être le faire ensemble, on va voir. Voilà. Je pense que ouais, je vais faire ça là. Je vais mettre d'abord de la dirt pour pouvoir faire un sol qui me permettra de faire mes arches. Et on va se faire notre petit pont qui permettra d'aller par ici. Voilà, donc bah, je vais chercher ce qu'il me faut comme matériel et puis on se retrouve juste après. Alors à tout de suite. Alors on se retrouve à la sortie de la mine. J'étais chercher un petit peu d'os. Alors là j'ai un petit peu érasé là. J'ai un petit peu cassé ça, c'était trop haut, ça me gênait. Je vais certainement mettre ça à plat, hein, encore 2 niveaux à enlever. Ouais, parce que ça me gêne un peu. Ça gêne un petit peu la vue sur l'arbre. Bon, il y a les feuilles aussi, mais je trouve que bon, là c'est mieux, ça gêne un peu moins. On enlèvera hein, ces colonnes de terre plus tard. D'ailleurs, il y en a une là-bas à enlever aussi. Donc j'ai un petit peu de matériel avec moi. J'ai pris différentes essences de bois parce que je vais faire un petit pont de bois. Voilà. Et donc j'ai fait un petit banc de terre. Voilà. Et le pont sera ici. Et on voit qu'il y a un dénivelé. Voilà. Comme ça il montera. Donc ça c'est le niveau maximum. Donc voilà. J'ai mis à pousser de l'acajou. Mais ça pousse pas. C'est pourquoi j'ai été chercher des os. C'est quand tu veux. Alors on va mettre que 16, ça suffira bien. 48, ok. On va voir si ça marche, si ça veut bien pousser ici. Ok. Hop, voilà. Oh bah d'accord, lui il était vite. Très bien, maintenant on va casser tout ça. Et ça va nous donner un petit peu de matière première pour faire nos planches. Un petit peu de dirt pour monter. Donc là, on va faire tranquille. Va faire ça tranquillement. Alors, j'ai pas de design précis, donc. C'est un petit peu. Ça va être un petit peu. Voilà, en freestyle, comme on dit. On va essayer de faire quelque chose qui soit joli. Ah oui, ils peuvent monter vraiment très haut, hein, ces arbres. Ok. Allez, on coupe tout! Voilà, très bien. Limite, j'aurais pu faire ça là-haut. Ouais. Ouais, j'ai réussi. Magnifique. Alors, hop. Ça évitera qu'on tombe. Perfetto, voilà, là on a un petit peu de bois. On a un petit peu de bois d'acajou, on va pouvoir faire des planches. On va faire aussi des dalles. Voilà. Et on verra déjà avec ça ce qu'on fait. Donc,
Ok, bon, j'avais un petit bug, je pouvais plus tourner, je sais pas pourquoi. Donc ok, alors on a fait un petit pont, oh, il est assez monumental quand même. Relativement simple, mais il m'a pris un petit peu de temps parce que j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais. J'ai mis mes chaussures Frost Walking. Voilà, je l'ai fait, au départ je l'avais pas fait assez haut. Et du coup, on ne pouvait pas passer en dessous en bateau. Et vu que c'est quand même une rivière qui traverse un bon chemin, donc je me suis dit, quand même, ce serait mieux comme ça. Donc ce que je ferai plus tard, c'est de nettoyer les berges, enlever un petit peu de terre, de sable. Voilà. Et comme ça, au moins, on peut passer en bateau ici et ici. Ça me semble pas mal. Je vais attendre que la glace se casse sous mes pieds. Pour aller chercher les petits morceaux qui restent au fond là. Voilà. Celui-là notamment. Peut-être d'autres. Non. Apparemment j'ai tout ramassé. Ok. Bon. Alors oui, Frostwalker, c'est quand même bien parce que du coup on peut regarder un petit peu la structure. Je pense que ça ira bien avec la maison qui sera rouge. Et puis c'est en bois, donc c'est quand même pas mal du tout. Les arbres là, je vais en tailler un peu, je vais refaire ici, je vais reboucher ça là, tout ça, je vais virer le gravier, je vais virer 2-3 arbres là, mettre plutôt par là des arbres, le système d'exploration, n'importe quoi, le système d'exploration, ah ben je vais pas y arriver, le système d'éclairage, je vais le changer, effectivement, pour l'instant c'est des torches. Mais je pars au plus pressé. À vrai dire, ça arrête pas de spawner dès que la nuit commence. Donc là, j'ai perdu un petit peu de cœur à cause de ça. J'ai eu un creeper qui m'a explosé la tronche alors que j'étais en train de bâtir le pont. Donc voilà. Donc je vais continuer. Je vais déblayer un petit peu ce qu'il y a autour. Refaire le pourtour du lac là, ici. Je vais faire ça plus propre, j'ai viré tout le gravier là qui me plaît pas. Et puis ce sera déjà pas mal. J'ai viré cet arbre là aussi. Puis ben, on se retrouve après une fois que j'aurai un petit peu nettoyé la zone. Alors à tout de suite. Alors on se retrouve, on est au spawn, parce que j'en ai un peu marre de me faire taper sur la tronche par des mobs qui arrivent par surprise. Je me suis. Voilà, j'ai perdu beaucoup de cœur. Donc du coup, je vais faire quelques potions. Pour régénérer ma vie. Ok, donc si je me rappelle bien, c'est ça. Neverwort, c'est ça, verrue du Nether. Ensuite, on doit y mettre la poudre lumineuse, si je ne m'abuse. Dès que ça va faire d'inning. Voilà, on met la poudre lumineuse. Pas ça? Ah non, c'est. Ah. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ah non, c'est de. Je suis bête. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. Je crois. Non? Ah, une pastèque scintillante. Oh là 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 là! Pastèque. En voilà une, décidément scintillante. Non, ça va être des pépites d'or. Forcément, il n'y a pas d'or. En voilà une deuxième. Ouais, il y a de l'or nulle part. Mais c'est pas possible ça. Et puis, il fait déjà nuit. Ouais, bah d'accord. Ok. On va dormir. On va être obligé d'aller. Là, il n'y a rien. La poudre lumineuse. Mais il n'y a pas de pépite. Là non plus. Regardez la gare rapido. Ah, faut tout chercher partout, partout. Ok. On va regarder dans les coffres s'il y a de l'or là. Il y a de l'or, super.
Ouais, je vais tout ramener. Ce sera fait. Bon, je vais repasser par là, ok. Ah là là. Ah, parce que là, j'essaye d'aménager quand même mon biome. Et je me fais, mais alors, rétamer à chaque fois. Je vois pas. En plus, là, j'ai eu droit à une sorcière invisible. Donc, j'ai pas compris. Alors. Ça. Voilà, on en aura un petit peu d'avance. Pastèque scintillante, ça va être ça. Hop. Tac. Donc on met la pastèque scintillante. Voilà, là ça sera mieux pour la recette. Méfions-nous aux alentours. Ouais, il a mis le hopper, mais je préfère le faire comme ça. Ça, je me trompe pas. Voilà. Donc, potion de soin. Et je crois que si je mets de la redstone. C'est pas ça? C'est quoi qui prolonge? C'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ah là 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 là, bah c'est compliqué, hein, moi je vous le dis, hein. J'espère que je me trompe pas dans le craft. Donc on voit, on a presque plus de... Voilà, besoin de soin 2. Ok, on va déjà voir celle-ci. Ah bah déjà c'est mieux, hein. On va laisser le verre. Là. Hop. Ok, on en a. Je vais boire la deuxième. Ce sera fait. Et on va poser la bouteille vide. On en a une de secours au cas où. L'or. La place quelque part pour mettre l'or. Ouais. Alors on va laisser ça là. Magma Cream, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, c'est bon. Bien, maintenant on va repartir du côté de chez nous. Alors, soit je passe par le Nether, mais j'ai peur de me tromper, en plus je suis full stuff. Donc, je vais reprendre les rails. Et puis, on va aller faire un tour dans le... Je vais reprendre les rails, on va aller faire un tour dans le Nether à partir de mon portail. Pour aller à la forteresse et essayer de trouver des magmas, des rodblaze et tout ça. Donc c'est parti. Oh, j'ai fait le con. Ouais, si, c'est bon. Et donc on se retrouve dans quelques instants. C'est reparti pour un tour. Alors on est dans le Nether et j'avoue, là j'ai récupéré un petit peu de blaze rod. Ils sont juste là et ils sont pas faciles à joindre. À choper, ils ont tendance à me tirer dessus. Voilà, il y a le spawner, il est juste là. Je suis pas trop doué pour faire ces choses là. Là, ils arrivent à me tirer dessus. Donc, il me reste que 2 coeurs, donc je vais pas tenter plus. J'arrive pas à choper les blesses que je pourrais avoir. Les blaze rod, je sais pas trop comment y aller. Être fermé là. Ok, et attaquer de l'autre côté pour voir si je peux récupérer ce que j'aurais dû avoir. Oh, il est juste au-dessus. Ils sont juste là. Le problème c'est que même si je les tue, j'arrive pas à choper leur stuff. Il doit être par là. Hmm.
Ça craint. J'aurais bien arrivé à mettre des torches dessus. Il y en a encore un là. Ça spawn toujours, j'arrive pas à l'arrêter le truc. Je fasse le tour. Ah ouais, là c'est fou là. On peut pas attaquer par là. Vache. Bon putain, il me reste plus qu'un demi-cœur. Faites que je vive. Ouais, bon bah je vais pas tenter plus le diable hein. Allez, on se sauve, il nous reste un demi-cœur, faut qu'on arrive à la base en toute sérénité. Alors, on se retrouve, on est à la mine. Oh, bah il y a Jean-Bloc. Bonjour Jean-Bloc. Ça va bien? Bon, ça a été la galère, donc j'ai quand même fini par aller chercher ce qu'il fallait au niveau du spawn. Et donc je me suis mis un petit alambic, et maintenant je sais pas où foutre ma putain de source d'eau pour être tranquille. Putain, ça fait mal. Où est-ce que je vais pouvoir mettre une source d'eau quoi? Là je peux pas, j'ai foutu la poubelle juste derrière. Là? Je la mets au sol. Je vais la mettre au sol. Hop. Il est où là, mon petit seau? Hein? La source d'eau là. Ah non, tu pourras pas y accéder. Non, je vais mettre là. Ah si, tu peux y accéder. Derrière? Ouais, tu peux faire un système. Ouais, non, mais pour l'instant, je vais poser là juste pour montrer. Et puis après, ça sera bien. Donc je vais prendre je vais prendre ma dernière potion. Quoique j'ai peut-être du verre là. Qu'est-ce que j'ai en verre? Non, rien. T'as plein de fioles là-dedans. J'ai plein de fioles d'eau, bah oui. Bah oui, mais mec. Oh là là, n'importe quoi, toi, tu vois. Moi, je te l'avais dit en plus que tu faisais n'importe quoi. Ok, donc on met. Ah ouais, il faut mettre. Il faut transformer une blaze rod, c'est ça. Alors. Y'a pas de la peur. Ok. Voilà. Voilà. On transforme, ça c'est fait. On va mettre le carburant. On y met une nether wart, wart. Voilà. Comme ça, on sera fin prêt pour avoir un petit peu de potion. Dope. Et ça sera cool. Et ça. Comme ça. Et je fais comme ça. Ah, hop. Ensuite, on y met une pastèque scintillante. Oh, le boulet! Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Le boulet? C'est toi, non? Ou c'est moi? Ah, t'as fait un petit truc pour faire une... Ah ouais, d'accord. J'ai mis une torche, comme un con. Eh bah, c'est pas grave, tu fais... Hop, allez, je vais la récupérer, la torche. Non, mais c'est pas le problème de la torche, c'est juste que je pousse ça. Regarde. Ah ouais, pas con, ça. Bah oui, c'est ça que je te disais. Ah ouais, pas con, avec une petite dalle dessus, tranquille. Et en fait, si t'en mets 3, comme ça, avec juste une petite sortie comme ça sur la dalle de pression, tu fais une source infinie. Tranquille. Si t'en mets 3 au-dessus? Bah, 3 sur... Sur le côté t'en mets... Bah oui, t'en mets un à droite et un à gauche. D'accord. Là. Derrière, et tu fais une source infinie. Ah, c'est pas con, ça. Hop, ok, donc là... Bon, moi, faut que je récupère de l'eau, par contre. On va la prolonger avec... Avec de la luminite. Ça, c'est parfait. Le temps que ça se termine, on va pouvoir mettre dans Nether. Donc, la luminite, on en a. Qu'est-ce qu'il a encore glandé avec sa source d'eau, là, mec? Je l'ai enlevé.
Mais non. Ok. Là, ton petit bassin à côté, l'autre, il y avait des courants, quoi. Ah C'est bon. dégueulasse, quoi. Dans Il y a le des petit bassin où je poteaux et tout. pêche? Ouais, Ah il y a du bon. poteau. Bon. Il y a du poteau et tout. Ok, voilà. Donc on a fini nos trois potions, c'est parfait. Pourquoi il n'y a plus de torches ici? Je Pourquoi il sais fait pas. sombre? Ah, je sais pas. Ah, c'est peut-être Ah, la la flotte. flotte. Oui. C'est la flotte. Donc, ça, on va le transformer. On va mettre des potions là. On va en mettre déjà deux. Attends, je suis pas descendu jusqu'en bas, l'eau, si? Ah, si, si, hein, ça descend En même temps, loin. ça c'est le mec, tu sais, qui fout les torches pas à la bonne hauteur. Ouais, je les Hein? mets comme je le sens. Bon, bah voilà, moi je crois que cet épisode prend Il y en a eu de fin. temps, je trouve. Donc ça c'est cool. On va remettre tout de suite des bouteilles. Comme là, il y a deux torches de trop, tu te demandes pourquoi? Ouais, bon, c'est. Ça, c'est le mec qui bouffe à chaque fois avec les torches dans la main gauche. C'est ça. C'est exactement ça. On va remettre des Pareil, il flacons peut vides. changer le sol, hein. Hop. Voilà. Dégueulasse cette terre ici. On Bien, se comme ça demande au qui moins est on la a une brute qui potion de fout de la soin, terre ici. on pourra en préparer d'autres. Bon, bah écoutez, monsieur, dame, à bientôt. Voilà, bah, si vous aimez la vidéo, vous savez comment ça marche. Pour le reste, eh ben, on se voit plus tard pour une prochaine aventure sur les Tossettes Gaming. Bye Bye bye. J'ai con ce mec. bye. Mais tu vois même pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Ah oui, je voulais dire merci à Jean Bloch hein, pour la participation. Eh! Putain, il y a une collision maintenant avec le Boring Stone là. Ouais, apparemment, ouais. Bon, allez, ciao.